Eh bien, salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Reigns. Donc, nous sommes maintenant le quatrième roi, le dernier il n'a pas toffé bien longtemps, Baudouin ou Jay le Magnifique, quatrième du nom. Donc, les baronnies de l'Est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre, envoyé l'armée. Oui. La tour de la basilique est en train de s'écrouler. Apportez-nous votre aide. Si je dis non, ils m'aimeront pas. Si je dis oui, ils vont m'aimer, mais économiquement, ça va être la merde. Oui, allez, vas-y. Avez-vous besoin d'argent, sire? Je peux vous prêter 8000 pièces d'or à 5% d'intérêt. Va falloir que je le paye à un moment donné, hein. Nope. Je voudrais donner une messe à la mémoire de votre père. Oh, pourquoi ça change l'armée? Oh, j'avais pas prévu. Sire, nous pourrions... Sire, nous pourrions aller chasser le sanglier. Non. Vu ce qui est arrivé la dernière fois, la rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Il nous faut l'aide de l'armée et de l'église. Désolé, la populace. Mais c'est non. Je peux pas me permettre de fucker mon armée encore une fois. Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée et prépare une attaque. Battez en retraite, mobiliser et attaquer. Je peux pas. Ouf, les deux ont été verts, ok. Par contre, je risque de le payer plus tard. J'ai rencontré une femme mystérieuse, maîtrisant aussi bien l'art des plantes que celui des rêves. Voulez-vous la voir? C'est la sorcière, sûrement. Voilà. Donc, ensuite, il va avoir gagné un duel, rencontré le démon. Arcane blanche. Ok. La guerre est perdue, sire. Nous devrions accepter les conditions fixées par nos ennemis. Ça risque de me démonter mon armée. Ben, ça risque de tout démonter. Allez, je veux dire. Ouf. Oh là 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 là. Une bande de vos maudits soldats a mis à sac un abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Non. Je ne vais pas me ruiner mon armée plus que ça. La région montagneuse de l'Est accepte mal l'autorité de votre Altesse. Que faire? Nous pourrions demander à Sir Jest de prendre la tête de la région et lui faire payer ce privilège. Ah là 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 là. Oui. J'accepte, Sir. C'est un grand honneur d'être votre représentant dans cette région indomptée. T'as intérêt à rester fiable. Soyez dur, soyez juste. Soyez juste. Ah, j'ai bien fait. Grâce aux actions de Sir Jest, la région de l'Est est maintenant corrompue, en plus d'être dangereuse. Puis ça n'a pas tardé, rappelez-le. Ça n'a pas tardé. Sir Jest est à la tête d'une importante cohorte de soldats à moitié bandits. Dois-je envoyer l'armée? Ah... Allez, ça va baisser un peu la populace, mais j'avais une petite réserve. Suite à cette décision, le chaos envahit les baronnies de l'Est à nouveau. Je vais mourir? Je suis Maître Brandon, le maître de la guilde des marchands. Acceptez ce témoignage de ma gratitude. Oui, pas de pot de vin. Oui, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent de côté. Il nous faut des meilleures défenses. Les barbares de l'Est sont aux portes du royaume. Allez, j'ai un peu d'économie. C'est le temps d'en profiter. On va se faire une petite armée. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Fermez les portes du château. La population risque de ne pas aimer. L'armée va aimer les religieux, j'en sais rien. Traiter la population, ça va coûter cher. Allez. Ah! Ça m'apprendra à être gentil. Cui, les pigeons auraient dû porter un message, mais vous ne le trouvez pas. Regardez sous le trône, regardez sur le bord de la fenêtre. Ben oui, mais un oiseau, c'est sur le bord de la fenêtre. Vous trouverez un papier déchiré avec le message « Arme ». Ok. Armée, armure, en anglais c'est bras. Donc ce message devait être important, laissez-moi envoyer des hommes vers la frontière. Si je dis non, ça va être... allez, oui. Aïe, aïe, aïe. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Oh. Ça va me coûter cher, puis les religieux n'aimeront pas ça. Si je dis non, les religieux vont aimer.
Est-ce que c'était le démon? J'en sais rien, mais je préférais ne pas ruiner l'économie et les religieux parce que il était assez bas. Vos gens sont au bord de la famine, votre altesse, le prix du pain est trop haut. Ok, je suis resté 16 ans au pouvoir. Réduisez-le de 50%, non. Aïe, 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 aïe. Ça va me ruiner mon économie, puis les gens vont un peu aimer, ou les gens vont pas du tout aimer. Non. Ah, je vais mourir. Nous voudrions lever un nouvel impôt pour l'Église, partagé avec la couronne, bien sûr. Nope. Ouh. Oh, c'est une grande influence. Une nouvelle technique agricole a considérablement amélioré la récolte. On a plein de sous. Partageons, c'est à moi. Allez, j'ai besoin d'augmenter un peu ça. Ce gâteau vous donnera un aperçu du paradis, monseigneur. C'est ma femme, ça? Et des crampes d'estomac? Oui. Lequel va améliorer en bien ou en mal? Ok, en bien. Ouh! Ah, ça c'était. C'était de la chance. C'était de la chance. Je pourrais construire un hôpital pour limiter les conséquences des futures épidémies. Et le docteur. Ouais, jusqu'à maintenant, le docteur, je l'ai pas écouté, puis je suis mort à cause de ça. Sire, votre urine sent le rhododendron ce matin. Vous devrez éviter de chevaucher pendant quelque temps. Ok. Restez au pouvoir au moins 20 ans. Oh! Baudouin le vieux? Oh, je suis un bon roi. Dois-je vraiment vous expliquer pour quelle raison le docteur ne peut pas diriger l'hôpital? Ben oui. Je n'en avais pas l'intention, donc à propos de cet hôpital. Ok. J'ai pas assez d'argent. Désolé. Je voudrais organiser une rencontre scientifique avec quelques confrères de l'Ouest dans votre château. Une rencontre scientifique avec quelques confrères. Ça risque de coûter cher. La population va. Les religieux aimeront pas. Je sais pas si la population va aimer ou pas aimer. Ok, la population va aimer. Faut vraiment faire attention à l'économie. Trop de sucre, votre altesse, cela provoquera votre perte. C'est une bonne façon de mourir, oui. Oui. Faut faire attention. Notre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Bah, ok, mais tu veux que j'aille quoi? Que j'aille dans la rue taper les gens qui blasphèment? Si je dis non, ils m'aimeront pas. Si je dis oui, ils vont m'aimer. Allez. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la loi du Très-Haut. Le pape est prêt à payer le prix. Oh! Ça va libérer mon armée. Ça va me donner énormément d'argent. La population risque de pas super aimer. Mais les religieux vont monter. Allez, oui. Ah, merde, ça baisse le pouvoir de l'armée. Je suis. Bon, ok, ça m'a augmenté économiquement. Et puis, ça me donne un petit peu de réserve. Comme ça, je vais pouvoir. Hein, je vais pouvoir abuser un peu de la gentillesse des religieux. 25 ans au pouvoir, quand même. Je suis Lady Sekos. Je peux vous aider à comprendre les lois infinies de la nature comme les limites de l'humanité. C'est le démon, ça? Ça a l'air utile. Soyez discrète. Waf waf, Rex vous invite à le suivre. C'est mon chien, ça? D'accord. Rouaf Grou, Rex veut jouer. J'ai un petit peu trop de sucre, hein, un petit peu d'exercice. Rex rapporte la balle. Encore. Je vais tellement me tuer à cause de ce chien-là. Encore. Encore. Ok, assez. Ouf, Rex vous conduit dans une caravane isolée, à une caravane isolée sur la place du marché. T'es fou? Rex court autour du château et vous ramène à la salle du trône. Ah si. Ok, j'ai réussi à éviter un meurtre, je pense, sur ma personne. Donc, les céréales sont très abordables en ce moment, monseigneur. Nous devrions modifier le prix du pain. Augmentez-le un peu. Doublez-le. Non, augmentez-le un peu. Voilà. Votre forteresse est trop fragile. Construisons une nouvelle tour.
Le peuple va aimer, l'armée. Non, attends. Si je dis non, le. Je sais pas. Le peuple va. Est-ce que le peuple va aimer? L'armée va pas aimer. Ça, mon économie m'auront. Mon économie m'aura pas. Non. Construire une nouvelle tour. Est-ce que le peuple aime ou aime pas? Ça dit que ça a une petite influence. Mais je sais pas si ça va être positif ou négatif. Allez, je veux dire oui. La rivière Goutte est à nouveau à sec. Nous devrions construire un barrage. Et on a trouvé de l'or dans le lit de la rivière. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à moi. Constitue une fortune personnelle. Non, il fallait que j'augmente ma réserve d'argent. Ça a parfaitement bien à donner. Ah, j'ai bien fait de construire le barrage. Je crois pouvoir réaliser le rêve de tout alchimiste, la transformation de plomb en or. J'ai besoin de votre aide. Ben oui, mais je suis con, mais tu peux pas transformer le plomb en or. Je me suis dit, bon, s'il y a des magiciens dans ce jeu-là, ça doit pouvoir exister. Je pensais que ça augmenterait mon économie, pas que ça me ruinerait. Puis-je démembrer Guiroche Langue Pendue, s'il vous plaît, ce clown vient de casser un trébuchet. Guibroche Langue Pendue, pas si vite. Pas si vite. Je jouais au tennis avec un géant. Il a gagné. Paye l'armée. Quoi? Je voulais que ça soit lui qui rembourse. Oh merde, j'ai plus d'argent. La récolte est un désastre, le peuple est affamé. Je t'en prie, mon roi, baisse les impôts, nous mourrons. Je peux pas me le permettre. Le peuple est pauvre. Ah bon, ça y est, je suis mort. Je suis mort. J'ai quand même duré 33 ans. C'est bon, pareil. Regardez ça, 665. Si c'est pas beau. Se perdre dans le donjon. C'est l'objectif, ça? Ah, oh, peut-être que pour rencontrer le démon, fallait rentrer dans la caravane. Oh. Donc, le roi de l'Ouest offre une large somme pour acheter une petite partie du royaume. Le peuple aimera pas, hein? Nope. Erex ne cesse de gémir de désespoir. Quelque chose ne va pas. Caresser le chien. Oh là 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 là! Cela vous affectera chaque année. Mais je voulais pas frapper le chien. Le temps est mort. L'espace est censé. Le voilà à nouveau. Vous sentez votre bouche se fermer comme si vous n'en aviez jamais eu. Shit. Bon ben j'ai rencontré le démon. Petit roi, petite marionnette. Non, Rex! Ah! Aucun mot. Ah! Peu de pensée. Ah! Beaucoup de morts. Ah! Il y a des siècles, tu m'as demandé le pouvoir éternel en échange de ton âme. Ah! Heureusement que tu as oublié de me demander l'immortalité. Ils sont tous maudits! Chacune de tes morts est un plaisir. Ah! Mais encore plus réjouissant le choix que je vais te laisser faire maintenant. Ah! Tout fuck ici! Va, petite marionnette. Parlons-nous dans 666 ans. Ah! Ah, malédiction sournoise. Vœu de mort, le prochain personnage qui vous dira oui mourra. Le prochain personnage à qui vous direz oui mourra, ok. Merde. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller. Ça rajoute un petit peu de difficulté. Je m'attendais pas à ça. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller l'alcool, partageant ce revenu. Si je dis non, l'église va aimer. Si je dis oui, tout le monde va être heureux, mais il va mourir. Ah non, l'église aimera pas. Un corps fut retrouvé plus tard cette année-là, horriblement déformé. J'ai causé sa mort. Il faut être prêt à tout, nous devons recruter plus de soldats. Shit. Je peux pas y dire oui! Non.
Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur jeune princesse. Nous risquons la guerre en cas de refus. Non. Attaquons le royaume du sud. Leur pouvoir s'étend un peu plus chaque jour. C'est votre 20e anniversaire, votre altesse. Faisons la fête. Non. Je peux pas. Je veux pas tuer ma femme. Monseigneur, et si nous faisions quelques échanges à l'épée, je peux vous apprendre des choses. Parions un peu d'argent. Est-ce que ça fait partie de gagner un duel? Si je dis oui, ah, en garde. Ok. Ok. Ton haleine est la meilleure arme. Est une meilleure arme que ce misérable cure-dent. Quoi? En es-tu si sûr? Approche. Imagine après t'avoir mangé. Ouch. Où as-tu appris ce mouvement? À l'hôpital? J'ai pas compris, attends. Ça s'appelle la peste noire. Là, ça va le faire reculer. Avec une jolie infirmière. Ça va le faire avancer. Tout est permis en amour et à la guerre. Ok, j'ai pas trop compris. Ce sont des mots. Sanglier furieux. Ok. Oups. Est-ce que c'est une bonne chose ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai gagné un duel? Ah, c'est-tu moi qui étais à droite? Vous arriverez mieux la prochaine fois. Je peux vous donner quelques conseils. J'ai pas trop compris le principe de ce qui était... Non. Je veux pas qu'il meure. C'est le plus rude hiver de ces 30 dernières années. Avec les mêmes récoltes de l'année dernière, votre peuple est affamé. Donnez nos réserves. Je ne peux pas les aider à les donner les réserves. J'ai assez d'argent. Le message dit, les Iliens nous menacent. Nous devrions les attaquer avant qu'ils ne le fassent. Sakuya. Je veux pas que tu meurs. Nous voulons construire une école dans la capitale pour éduquer le peuple. Nope. Nous voulons aménager une nouvelle place de marché. Cela ouvrira notre économie au commerce extérieur. Toi, tu peux bien crever. Nous voulons aménager une nouvelle place de marché. Cela ouvrira notre économie. C'est bon. Ah, il est-tu mort? Le message dit, un village du sud encourage la polygamie. Envoyez l'armée, envoyez l'église. Ah, j'aurais dû envoyer... Attends, si j'avais envoyé l'armée, ça aurait augmenté le pouvoir ou ça l'aurait réduit? Un marchand étranger vend des machines agricoles d'un genre nouveau. Nous devrions en faire des copies. Oups. Je pensais que ça augmenterait mon économie puisque ben, les récoltes auraient été meilleures. Nous pouvons négocier une paix durable grâce à l'effort diplomatique coordonné de nos ambassades. Grr. Qui est cet oiseau? Merci. Aïe, 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 c'est dur de pouvoir dire oui. Il y a une explosion dans la capitale, difficile de savoir ce qui s'est passé. Faut-il fermer les portes de la ville? Il y a eu une explosion dans la capitale. Ok, si je fais ça, il n'y a personne qui va aimer. Attends, non, si je fais ça, tout le monde va aimer. Attends, je sais pas. Ah, merde! Ok. Une bande de vos maudits soldats a mis à sac une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Nope. Un incendie est en train de ravager votre château, monseigneur. Sauvez le trésor, sauvez la garnison. Va falloir que je fasse attention aux religieux. Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée et prépare une attaque. Mettez en retraite, mobilisé et attaqué. Le roi de l'Est battait en retraite, ça a été efficace la dernière fois. Toutes nos catapultes ont été sabotées, merde! Dieu nous viendra en aide de trouver les traîtres. Il faut que je fasse attention aux religieux. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin? Toi, tu vas mourir parce que oui. Voilà.
Les baronnies de l'Est attaquent. Nous ne pourrons l'emporter qu'en enrôlant la population. Bien sûr. La population était bien assez élevée comme ça. Beaucoup trop heureuse. Le peuple est trop heureux. Battez-les. Les envahisseurs font usage de trébuchets pour détruire nos fortifications. À l'attaque! Mon roi, nous devrions apparaître à la fenêtre du château. Le peuple veut nous voir ensemble. Reine Laurentia. Mais elle va crever si je dis oui. Ben, pas morte. Votre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Oui. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la loi du Très-Haut. Le peuple est prêt à payer le prix. Ça commence à se répéter un peu. Le peuple est prêt à payer le prix. Allez, vas-y. Aïe, 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 aïe. Ma famille rit de la taille de notre château. Nous devrions construire un plus grand. Oui. Faut que je fasse attention à l'armée. Nous avons découvert l'entrée d'une crypte sous le château. Nope. Ah, se perdre dans le donjon, c'était l'objectif. Ah, je suis stupide. Les baronnies de l'Est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre. Envoyez l'armée. Je peux pas. J'ai pas assez d'armée. Allons-nous ensemble au festival ce printemps? Je pourrais inviter mes amis pour accueillir vos visiteurs étrangers. Aïe, 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 assez dur, assez dur, assez dur, assez dur. Mais ils ont pas l'air de mourir. Dame Gris, mais c'est pas ma femme, Dame Gris, c'est plus que c'est l'autre prince, en tout cas. Je peux leur dire oui, on dirait, ils meurent pas. Allez, on y va. Faut que je fasse attention à l'argent. Les habitants d'un village lointain incitent leurs enfants à cracher sur les hommes du roi. Devons-nous intervenir pour l'exemple? Oui. Les envahisseurs veulent la paix. Nous sommes en position de force pour la négociation. On est en position de force. Oui, ok, phew. Phew! Cui, cui. À qui est cet oiseau? Le peuple a peur et cherche les responsables. Il veut votre tête. Moi, j'en veux pas des nouvelles de ce qui se passe. Il veut votre tête. Pourquoi le peuple a peur? Renforcer la garde. Merde. Nous devrions instaurer un couvre-feu la nuit. Les rues de la capitale ne sont pas sûres. Oups. Votre pays est ruiné, votre Altesse. Les marchands et les nobles possèdent le tout. Oh non. Le capitalisme. La nouvelle oligarchie vous envoie en exil. Je suis mort. À cause des riches. Eh ben, maudit. Ça m'apprendra. 36 ans. Essayez de battre ça. Donc voilà tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait le tour des cartes, hein, je pense. Ouais, on a fait le tour des cartes puisque ça commence à se répéter. Je pense que ça va être tout pour cet épisode et peut-être pour la série, j'en sais rien. J'ai pas réussi beaucoup d'objectifs, je suis pas super bon. On recommencera peut-être une partie à un autre moment donné. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!